was in for 200. Oh, you were? Like a big hand like it was in. First hand. Oh, first hand. Full double, no. First hand. Wow. Double strato? Don't worry, I managed to lose most of it already. Half of or more? I don't know. Over half, yeah. She's playing some great poker. If I just only played aces, I'd be. Oh, actually, I did win with top boat. That was nice. Well, that's plus over aces, so. They count sure. aces plus. Here, ace 4-4 rainbow. Elton Tsang absolutely smashes. Elton trying to extract some value. Kenny's in there. Alors, on a un pot qui est double straddle ici, pré-flop. Elton Tsang qui décide de limper en big blind. C'est pas un bon limp ici, on a un open qui est bien meilleur. Pas mal d'argent mort au milieu, on a une main qui est relativement correcte pour open. Et ici, une fois qu'on se retrouve au flop, tout le monde a plutôt bien joué la main. As-2 de carreau, ça sert à rien de miser. À la turn, il décide de miser un petit sizing. Et Brian Kidney qui décide de call. La river vient un roi de trèfle. Et on va voir ce que Elton fait. I'm bluffed by checking or possibly bet himself, trying to get some crying calls. Wow. Et du coup, Brian Kenny qui décide de payer 9 high. C'est un call qui peut paraître très surprenant. Et quand on réfléchit, qui est pas forcément très bon, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, alors, les sizing d'Elton Tsang, ils sont pas chers, ok? Donc on pourrait se dire, ok, bah, je peux gagner de temps en temps avec 9 high contre 7 et 8, 5 et 7, etc. Mais faut aussi se demander, est-ce qu'il va bluffer avec ce size au final? Qu'est-ce qu'il pense faire fold? Et ici, Elton Tsang, quand il mise ce genre de sizing là, je pense qu'il n'a aucun bluff, tout simplement parce qu'il va, sait qu'il va pas faire fold grand chose. Et donc, du coup, il va juste pas bluff du tout. Et sur les joueurs un petit peu aware, il faut faire assez attention quand ils font ce genre de sizing là, parce qu'ils sont conscients que vous allez juste jamais folder, et donc du coup c'est toujours des traps tout simplement. Et en plus ça, quand c'est un trap, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, bon, on perd 15 000 nets parce que juste ils ont aucun bluff. Donc ici pour moi, deux options à la place de Brian, c'est soit fold soit raise. Je pense que raise est un peu trop dangereux parce qu'on aurait pas assez de mains. Néanmoins, Elton est quand même très cap avec ce sizing, donc ça me dérangerait pas de partir à tapis, de représenter un 4, surtout que Brian Kenny est en option qui peut littéralement tous les avoir, et Elton Tsang on a beaucoup moins. Donc les deux options, c'est soit raise extrêmement agressif pour fold un as ici, soit on se dit que la range est trop narrow de value sur des as et 4, et du coup ce qu'on fait, c'est que juste on fold. Là on peut pas call parce que, comme j'ai dit, Elton il comprend un peu le jeu et il va jamais le faire dans ces spots là juste parce qu'il s'attend à avoir 0% de FE avec ses sacs. Donc c'est important ici de pas juste call like a boss juste pour le fun. En plus de ça, je suis ok que là le mec a 9 high, mais on a le 5 de carreau. Le 9 de carreau, c'est vraiment les deux pires bloqueurs à avoir. Donc je préférais limite coller une main comme je préférais coller Dame Valet off que 9 et 5 ici, forcément. Donc voilà pour cette main. Prince Kenny does have middle pair, four ways to the flop. Like you're making me hungry, man. Alors du coup on se retrouve dans un pot 4 way, donc c'est avec 2 straddle. Du coup ici on a Tan qui a open 2x, du coup 2 fois la plus grosse straddle, et on a eu 3 calls ici. Tout le monde joue ok préflop, honnêtement avec le stack size les calls sont ok. Et ici quand on se prend un bet de tag Johan, je vois beaucoup de joueurs payer avec ce genre de main style valet 10. Faut vraiment se rendre compte que, alors là c'est un joueur qui est extrêmement agressif, et là il va vraiment clairement avoir tous ses good shots, tous ses open deals. Mais globalement quand les gens c'est bet 4 en live, faut faire extrêmement attention. Les ranges de bet en 4 way sont pas du tout les mêmes qu'en 2 way, la plupart des joueurs comprennent du coup il y a 5 joueurs. Donc il faut être extrêmement conservateur sur ses call flop ici, et donc en live faut vraiment très attention à votre range de call en fonction du joueur qui bet et du nombre de joueurs qui bet. Voilà. Yeah, what? Yeah, water. Huh? Water. Hydrate. As well. Yeah, I already finished too. Yeah. Oh, you already finished. I'm finished. Is that okay? Oh, yes. Yeah, I don't know why the rule is like that. It's nice and pure though. Alors on a Brian Kenny qui décide de payer à la turn un petit bet, quasiment un tiers pot. Et c'est un bet qui est extrêmement compliqué à payer, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a beau faire face à une petite mise, avec Valise on ne bat quasiment rien. Tan Xuan, il a ses bets 3 way, il a 2 barrels sur un board où du coup il rep extrêmement strong. Et où nous-mêmes on rep strong, c'est-à-dire que nous-mêmes on va représenter des rois. Est-ce que Tan Xuan il a envie de bet une main comme As-Dame? Je pense même pas. Alors oui, les bets un tiers représentent pas forcément des mains strong, mais en fait on va très souvent retomber soit des fulls qui veulent trap, du style paire de 10, 3-10, soit des mains comme des rois assez faibles, 3-9, 3-8, 3-7. Et du coup avec Valise contre cette range là, en fait on a pas d'équité. Quasiment draw dead. Ça, c'est vraiment important quand vous voulez bluff catch, c'est
quelle équité vous avez à la terre, en tout cas contre la range adverse. Et ici, on joue même pas un out contre la value region. Donc si jamais Tang Yuan a un roi, en fait, on est pour dead directement. Et ça, ça nous coûte pas mal en EV. Et c'est pour ça que Brian Kenny en fold. En plus, il a plein d'autres meilleures mains à call. Dame Valet va être un meilleur call. Tous les rois X vont être un meilleur call. Donc ici, avec Valet 10, on a beau faire face à un sizing. La range de Tang Yuan est un petit peu trop forte, même chez un joueur agressif ici. Donc on aura plutôt un fold à la terre. What's the pot? Yeah, I'm KO is 104, maybe like instant. Yeah. But I don't understand why this ruin pulled them that. Alors, Tan qui bet 140 000 ici. Donc, clairement, il rêve extrêmement strong. Ici, il va rêver des mains comme As-Roi, open pas très cher, Roi-Dame, Roi-Valet. Je dirais que c'est les mains qu'il a avec des Rois-10, paire de 10. Ah, peut-être paire de 3 également. Donc, du coup, ici, avec la main de Brian Kenny, on a tout le temps en fold, pas payé. Et attention, encore une fois, là, il a fait une erreur assez débutante, mais bon, c'est pas un joueur de cash game. C'est juste quand les gens qu'on représente extrêmement strong et que vous-même vous représentez très fort, ils vont pas bluffer, simplement. Parce que là, la range de Brian Kenny, c'est uniquement un roi. Est-ce qu'il pense qu'il a l'AFE sur un roi? Alors, je dis pas quand tu fais un gros size, hein. Mais là, est-ce qu'il pense qu'il a l'AFE sur un roi quand il fait 140 000 dans 224 000? La réponse, c'est clairement non. Et d'ailleurs, si, comme vous allez voir, Brian Kenny a décidé de payer, en plus de ça, la main de Tan Yuan, quand même un petit peu surprenante, c'est roi 9 de carouf. Je pensais pas vraiment qu'il allait value bet 3 streets. Bon, après, c'est pas un joueur professionnel, donc c'est normal. Mais si on valuerait un Brian Kenny, il a tout le temps roi valet, tous les rois dames. Là, faut vraiment qu'il colle tous les 10. Hein. Faut vraiment y aller du coup, pour avoir un value bet avec roi 9 de carreau. Mais si, hein, c'est parce que vous avez un trip, que vous value bettez des meilleures mains, faut toujours vous demander quelles sont les mains meilleures que je value bet. Ici, bah, juste oui, peut-être des 10x, mais s'il faut les 10x, il va toujours avoir des mains comme roi valet, roi dame. On peut juste pas value bet, on n'a pas assez d'équité pour value bet. Et du coup, le coup de Brian Kenny qui est assez désastreux ici, on va quasiment jamais tomber sur un bluff. Alors, le jetan est juste beaucoup trop fort, c'est juste tout le temps un roi. Parce que, comme je l'ai dit, dès qu'on rep très fort nous-mêmes, les gens en général ont tendance à peu bluffer. Et donc, du coup, c'est pas un spot qu'on va décider de payer à la place de Brian Kenny. So King A4 two hearts. I mean, I guess everyone always has double backdoor in some fashion. Alors ici du coup, on a eu un open extrêmement cher et un call avec. Et un call avec 18 off. Bon, le call avec 18 off, bien sûr, qui est bien trop loose, hein, mais c'est une touche qui est un jeu récréatif. Alors là, pour vous expliquer les dynamiques, ils sont en train de jouer au Squid Game, donc pas trop expliquer, mais en route, simplement, il faut qu'ils gagnent les pots, sinon ils sont un petit peu dans la merde. Alors, on va se concentrer sur comment Karl Chapé-Gatier aura pu jouer sa main, en sachant que préflop c'est un petit peu trop loose, mais avec la dynamique du Squid Game et surtout de Straddle, ça reste, et sans Rex, ça reste ok, mais c'est un peu loose. Du coup, ici, un truc qui est extrêmement important, que j'ai pas dit, c'est qu'au flop, il faut absolument regarder le timing des gens qui ont check back ou qui ont check. Par exemple, Santosh, il a check très vite au flop, check très vite à la turn, donc c'est extrêmement souvent pas une très bonne main, ok. S'il avait une bonne main, il aurait au moins hésité, et c'est le cas dans 90% des cas, donc quasiment tout le temps, en gros, vous allez jamais voir de bonne main qui du coup check. À Brian Kenny également, qui a check extrêmement vite, il est fortement possible, fortement probable, qu'un roi aurait au moins réfléchi un peu plus. Donc du coup, on se retrouve dans un scénario où, avec la main de Karl Chapé-Gatier, on peut très souvent bet à la turn. Pourquoi? Parce que on est en sandwich, mais Brian Kenny nous a montré énormément de faiblesses, Santosh nous a montré énormément de faiblesses également. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est bet un gros sizing, on va faire fold des mains. On peut même faire fold des 2-9 de 10 de la part de Brian Kenny à la turn. On va fold des mains comme As-Dame. On va faire fold des mains comme As-Valet. Et on va pouvoir isoler Santosh sur 2 streets. C'est-à-dire qu'on va pouvoir miser à la turn. Et s'il paye, on va pouvoir remiser à la river. Et pourquoi on va vouloir 2 barrels ici? Tout simplement parce que. 2 barrels à la river. Tout simplement parce que ici, la range de Santosh, ça va être quoi? Ça va être des mains comme 5 et 6, 4 et 6, 8 et 7, 8 et 6. Là, il peut également avoir bah, du coup 10 et 8, 9 et 8, As-8, As-4, As-5. Et tout ça, c'est des mains qui peuvent payer une fois, mais qui vont forcément fold ensuite quand vous jouez contre un joueur qui est plutôt faible. En plus de ça, l'intérêt du bet à la turn. C'est que si jamais Santosh avait slow-playé une main comme paire de 4, comme 6 et 7, c'est toujours des mains qui va relancer. Donc du coup, on peut miser à la turn pour pouvoir ensuite remiser à la river. Je pense aux alentours de tapis ici pour mettre énormément de pression sur la range de Santosh. Ça pourrait être intéressant, puis on va même pouvoir faire fold des rois assez faibles, parce que les rois meilleurs auraient souvent misé à la turn. Du coup, avec la main de Karl Chapé-Gatier, ici, on a tout le temps un bet. Are you based out of London? Du coup, les deux joueurs qui ont recheck à la turn, et là, on a un spot de bet qui est encore meilleur. Pourquoi? Parce que Santosh, on est sûr, s'il avait un roi, il aurait misé quasiment tout le temps. En plus, comme je l'ai dit précédemment, c'est un joueur créatif, c'est pas le genre à slow play. Brian Kenny, quand il a un roi, il aurait très souvent misé au flop, au moins tout le temps à la turn. Donc, du coup, la seule main vraiment très forte que Brian Kenny peut avoir, c'est As-Valet et 2-Valet. Donc, ici, on a énormément de pression à mettre. Alors, nous, on n'a pas forcément énormément de bonnes mains, mais il faut vraiment vous dire un truc qui est très important en live contre la plupart des profils. Même si vous n'avez pas une bonne main, même si vous représentez pas beaucoup de mains, ici, si vous aurez
envoyez un pêchon à 296 000, personne va vous payer. Personne va vous payer parce que votre mise est trop chère, leur main est trop faible. Et les joueurs en live, souvent les joueurs faibles, vont avoir un petit peu tendance à beaucoup trop regarder la force de leur main et pas nécessairement assez ce que vous vous représentez. Donc c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur en live de rien représenter. Les joueurs qui vont vraiment réfléchir et vont essayer de payer, en général assez rare, en plus de ça, vous pouvez les spotter comme joueurs calling station et vous pouvez aller les value plus tard. Du coup ici avec la place de cash payati, on a tout le temps un bet avec notre main. Au niveau du bet, je pense qu'on peut faire un sizing aux alentours de je pense que 90 000 suffit. Ah, on pourra même sizer quelque chose comme 55 000 ici. Santosh va fold quasiment tous ses paires et Brian Kinney, il a quand même une grosse range de fold ici. Alors, il peut avoir quelques genre paires de valets, il peut avoir des as-valets. Je pense que paires de valets, il peut même le viser à la turn ici. Et en plus de ça, as-valets, bon, c'est plus fold et il a tout le temps as-dame, il a tout le temps as-10, il peut avoir des as-9 off. Donc ici, il a énormément de fold possible dans sa range. Du coup, on a un bluff avec la main Chapegatien qui a décidé de check cette fois-ci. Et du coup, Brian Kinney qui check, on a également un mauvais check de la part de Brian Kinney. Alors on pourrait se dire, j'ai as-dame, j'ai la chaîne value, j'ai un check. Déjà, aucune raison de le snap check, c'est-à-dire qu'il faut prendre son temps pour réfléchir avec as-dame off. Ce qu'a fait d'ailleurs Cash Pegatian, il a pris le temps de réfléchir avec DC9, il est pas venu à... Même s'il a pas pris la meilleure option, par contre Brian Kinney, il a aucune excuse, il est en position, il peut prendre au moins 15-20 secondes pour savoir si as-dame est vraiment un check back ou non. Et du coup ici, je suis pas vraiment fan, pourquoi? Parce que, en fait, je suis d'accord qu'on va avoir la chaîne value et qu'on va gagner une partie du temps. Il faut comparer les EV quand vous jouez en live, c'est extrêmement important, et de prendre une situation comme actée. C'est-à-dire que là, très souvent, vous allez vous dire, ok, bah, j'ai as-dame, c'est un check, je check, parce que j'ai la chaîne value. Mais mine de rien, quand on réfléchit, si on bet 150 000, est-ce que vraiment on se fait payer juste une seule fois? Pourquoi? Parce que Santosh et Cash Chebegatien ont checké 3 streets. Quelles sont les mains fortes qui arrivent en checkant 3 streets? Il y en a quasiment jamais. Il y a énormément de mains faibles disponibles. Donc du coup, ici avec As-Dame, oui, on va faire fold 10 et 9 et ça a peu d'intérêt. Mais bah, typiquement, quand Santosh a 10 et 8, 5 et 6, etc., c'est des mains qu'on peut faire fold. On va représenter 2 valets et ça suffit pour faire des gros bluffs du coup, parce qu'à partir du moment où on représente un bluff en perso, en général, les gens foldent très souvent. D'ailleurs, il y a 36 profils. On a beau rien représenter en value par exemple en bluff, ils vont quand même décider de passer juste parce que notre mise est très chère. Du coup, avec Brian Kinney, le bon play ici, ce serait de... Je pense qu'on peut faire tapis dans... Je sais que ça paraît extrêmement bizarre, mais en fait, Santosh, il est vraiment, pour l'avoir vu, complètement capé ici. Il a jamais une bonne main. Ça me dérange pas de me fracasser contre les quelques slow plays de Charles Capegatien, parce qu'il en a extrêmement peu. Il a énormément de mains faibles. Et si quand on envoie un bet à 400 000, quand vilain à 3ème, 4ème paire, en général, c'est trop inconfortable pour lui payer. Donc, c'est des plays qui passent extrêmement souvent. Et c'est pour ça que le du bet extrêmement cher est plus important que le check. Après, on pourrait bet 60 000, on pourrait bet 90 000. C'est vrai que j'aime bien le tapis, j'ai tendance à en foutre un peu partout. Après, forcément, quand on joue avec 400 000 pas devant soi, surtout quand c'est les siens, c'est pas forcément toujours évident de mettre les sous au milieu. J'espère que cette petite main vous a plu. On se dit à très vite. Ciao, ciao.